aujourd'hui. 5 MPH, 5-6. Donc, 2 plumes, 23 kg. On va essayer de faire un petit entraînement sur un mouvement que certains appellent le moonwalk, ou alors des rotations en déplacement. Donc la rotation est assez, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est la bicyclette. Bon là, vu mon niveau de compétence en vol avec ce petit vent là, je ne sais pas si je vais réussir à faire la bicyclette. Alors, j'ai deux caméras, une qui filme mes mains et l'autre qui filme le cerf-volant. Celle qui filme mes mains et en suivi de mouvement, donc on devrait toujours avoir mes mains dans le champ de vision. Alors la bicyclette, c'est facile, tout le monde sait ce que c'est un truc qui ressemble à ça. Comme on l'a vu, bicyclette, voilà, bicyclette. Maintenant, l'idée est de faire ce mouvement pendant que le cerf-volant avance. Là, le cerf-volant avance, le but c'est de faire les rotations en même temps. Alors, là, ce que je propose et ce que je fais pour apprendre à faire ce mouvement, c'est de décomposer. On avance, top, rotation, sensation, top, rotation, continue d'avancer, là en reculant, rotation, sensation, rotation. Bon, alors ce mouvement, c'est un mouvement qui fait partie des figures de précision en compétition. Alors, je ne sais plus quel numéro de figure, mais on a un mouvement qui ressemble un peu à ça. Bon, si je me rappelle bien, je crois que c'est ce pattern-là, enfin, ce motif. Donc décollage, top, rotation, avancée, top, rotation, translation, top, rotation, continue d'avancer, top, rotation et translation. Bon, ça c'est un petit aparté pour vous dire que travailler les figures de compète, ça permet quand même bien d'augmenter sa compétence de vol. Alors revenons à notre sujet, faire les rotations en déplacement. Donc là, rotation, translation, rotation, translation, rotation, translation. Alors l'idée, c'est de bien sentir que lorsque l'on fait la rotation, le vecteur vitesse du cerf-volant change d'orientation par rapport au cerf-volant. Donc ça c'est compliqué parce que décrit de manière avec des mots comme ça un peu scientifique là, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Vous voyez, quand le cerf-volant avance, là c'est facile, donc on avance. Lorsqu'il va se retrouver dans cette position là, on est en slide. Donc il faut adapter le sens de déplacement du cerf-volant en fonction de son orientation. C'est ça qui est compliqué. Avancer, c'est facile. Faire des slides, c'est assez facile. Faire la rotation toute seule, c'est facile. Mais combiner les deux, ça, c'est pas facile. Alors, conseil de faire la figure de précision de compète pour bien la sentir. Une fois qu'on est capable de faire la figure de précision de compète, que je vais montrer tout à l'heure, faire la rotation en slide, la rotation en avançant, devient plus simple. Alors, une fois que vous aurez fait cet exercice et que vous saurez en fait faire avancer le cerf-volant dans toutes les orientations, la prochaine étape que je conseille, c'est de faire ce que j'appelle moi le mouvement de Tarzan, qui est assez sympathique. C'est un chien qui est venu me voir, c'est un peu le danger à travers, hein. Les gens viennent avec leur clébard, ça peut foutre la coupe. La meilleure chose, c'est de ne pas paniquer, généralement les chiens sont attirés par ce qui bouge,
On bouge le cerf-volant, il va vers le cerf-volant, il vient vous voir, et puis pas de problème. Bon, il est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement de Tarzan? Le mouvement de Tarzan, en fait, consiste à faire des rotations sur les pointes d'ailes. Tac. 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 Ça, c'est un mouvement qui ressemble à ce que l'on peut faire et qui permet en fait de travailler le changement d'orientation du vecteur vitesse. Allez, je vais peut-être poser un peu parce que là il n'y a plus de vent, je vais attendre que le vent monte parce que là je suis en train un peu de m'essouffler. Donc alors, je disais, le mouvement de Tarzan consiste à faire basculer ses volants sur la pointe d'aile tout en translation, et c'est assez simple. On fait basculer le cerf-volant comme ça, puis comme ça, puis comme ça, après comme ça, ainsi de suite. Alors ce mouvement-là oblige à imprimer dans la tête le changement d'orientation du cerf-volant et à commencer à faire des translations. Parce qu'on n'est plus en rotation sur place, on voit bien qu'on est en translation en faisant ces mouvements de quart sur les pointes d'aile. Donc là on fait des mouvements de quart sur les pointes d'aile. Mouvements sur les pointes d'aile. Ça c'est un truc que certains pilotes qui font du vol que pour le plaisir et sans chercher à s'améliorer le point de vue technique me disent ah, c'est compliqué à faire des rotations sur les pointes d'aile. En fait, c'est la première chose que j'apprends, enfin que moi j'ai appris. On fait des rotations sur les pointes d'aile. C'est un peu chiant parce que c'est des exercices où on fait des traversées de fenêtres avec rotation sur les pointes d'aile. Mais une fois qu'on sait faire ça, tout découle et tout devient assez simple. Donc, premier exercice, une fois que vous avez fait l'exercice de la figure de compète, qui fait travailler les slides, faites l'exercice vraiment de ce que j'appelle moi Tarzan. Qui va vraiment vous approcher du vol de rotation en avançant. Bon là il n'y a plus de vent, on va essayer de refaire une prise de vue de la figure Tarzan. Chercher un peu le vent en hauteur, hein. Je sais pas si ça va être pris au niveau de la vidéo. Bon. Hop. 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 Voilà. Désolé, j'aurais aimé soit avoir plus de vent, soit être un meilleur pilote pour montrer cet exercice. On va faire dans l'autre sens, parce qu'il faut aussi apprendre à faire dans les deux sens ce truc.